Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, de graves incendies sont en train de se propager en Kabylie en ce moment. La réaction de Farhat Mehni, le président du MAC et de la NAVAD, n'a pas tardé à sortir. Une réaction qu'il a émise sous forme de post sur sa page X, l'ancien Twitter. Et on peut lire sur son Twitter « Incendie en Kabylie ». Je ne fais que rapporter deux témoignages de citoyens kabyles. L'un est sur Facebook et l'autre reçu par SMS. Je vous laisse juger les effets de l'occupation militaire en Kabylie. L'État algérien a refusé l'aide internationale. Un génocide est en cours en Kabylie. Ma patrie, l'État algérien est allé jusqu'à accuser le Maroc, Israël et le mouvement d'autodétermination de la Kabylie d'être derrière ce génocide insoutenable. Des enfants, des bébés même, sont calcinés. Au secours, monde, au secours. On nous brûle vif. L'ONU n'intervient pas. Nous sommes livrés à nous-mêmes. L'État algérien veut nous exterminer. Et le monde reste muet. Au secours, nous sommes calcinés. Au secours, nous sommes asphyxiés. Au secours, monde. Au secours, nous avons le droit de vivre. Au secours. Nous sommes grillés vifs sur nos terres devenues un bûcher. Par pitié, monde, par pitié, publiez notre appel de détresse, cite Farhat Mehni. Par pitié, monde, votre silence sera complice de cet état voyou, barbare et criminel. Au secours, monde, mon peuple est grillé. Au secours, monde. On a fait de notre havre de paix un barbecue à ciel ouvert et nos enfants y sont grillés. Au secours, nous sommes à bout de souffle, cite Farhat Mehni sur son Twitter. Et bien entendu, toute la citation de Farhat Mehni sur son Twitter n'était que celui d'une certaine Camilla Bouchen sur son Facebook. Alors que le SMS envoyé à Farhat Mehni lui disait, nous pouvons lire sur le Twitter de Farhat Mehni, le SMS me dit, j'ai assisté au ballet des Canadair qui prenait l'eau de mer à la plage de Tichy où j'étais. Il la déverse là où il n'y a pas de feu. L'Algérie pleure une ville, Gaza, et brûle tout un pays. La Kabylie, et ce bien entendu sans discontinuer depuis 2021, achève le SMS. Voilà donc, nous étions avec la vive réaction de Farhat Mehni, le président de la NAVAD et du MAC, une réaction qu'il a choisie, vive, par la transmission de sentiments de Kabyle sur place. Un appel au secours, un appel pour sauver la Kabylie, un appel de détresse que Farhat Mehni a bien voulu citer en ce moment sur sa page Twitter. We'll be right back.
Amen.